Whenever new cars are launched, their creators dream of accolades and sustained success. Renault has made its fair share with outstanding stamina. The 4L, the 5, the Clio and the Scenic, all instant hits, all packaged perfectly for their time. Then there are the cars that, despite exquisite proportions and presentation, are simply before their time. C'est un peu comme ces robes de grand couturier où tout le monde trouve ça magnifique, mais vous n'êtes pas forcément prêt à le porter. 10 years after its launch, over 200 Avantime have gathered to celebrate a decade of individuality and style. But they'll also look back on a brief, extraordinary tale full of innovation, ambition, and ultimately, misfortune. They'll talk about the unique story of a unique car called Avantime. The Avantime was the result of a very fruitful collaboration between Renault and Matra, a partnership that began back in the mid-80s with the Espace. Three generations of the MPV were built by Matra until 1997, when there was a change of plan. Renault allait intégrer la construction du prochain Espace au sein de ses usines, à savoir à partir d'une décision que les espaces à partir de maintenant allaient être réalisés en tôle. Et Romorantin, l'usine de Matra, avait des capacités de production. Et est venue cette idée de construire un véhicule totalement inédit. The success of the family-friendly Espace had planted the seed from which a more indulgent car concept would grow. Avec le déroulement des âges, les enfants un jour quittaient, ce qui est normal, la famille de base, et donc monsieur et madame se retrouvaient avec un besoin en place très inférieur, mais ils avaient pris l'habitude de rouler dans une voiture qui les avait en général enthousiasmés par sa visibilité, par sa facilité. Et donc on a pensé qu'après l'Espace, il y avait la possibilité de proposer un véhicule ayant certaines de ses qualités de base, mais dans un domaine différent, celui des voitures un peu plus égoïstes. In essence, the Renault Matra team had decided to rethink the car format that many see as the ultimate in automotive design purity, the coupé. On a décidé de proposer à Renault un véhicule coupé, 4 places, 3 portes, qui soit un peu le prolongement de l'Espace dans un domaine automobile différent. Nous avions aussi cette idée d'un véhicule qui s'ouvrait vers l'extérieur, d'un véhicule qui permettait d'offrir 4 sièges confortables avec une visibilité 360 degrés en hauteur latérale. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. Intending to shock, the car's designers aim to create a bold, original statement. C'est un petit peu comme, je dirais, passer du petit écran au cinémascope. On avait cette sensation de travailler sur quelque chose de vraiment créatif, qui allait apporter quelque chose à l'automobile. Renault and Matra had trusted their instincts and created a huge impact when, in 2001, they launched the Avantime. A road tester on a car magazine when it first came out. I wrote the first road test of one in the UK, and it was just sensational. We had never seen a car like this before. Il y a beaucoup de concurrents qui ont regardé en fait cette voiture avec beaucoup d'inquiétude. Ils se sont dit là il y a quelque chose qui se passe. Il y a un nouveau concept. Un Renault a inventé un nouveau concept, une nouvelle vision de l'automobile. C'était aussi une prise de risque. On a eu beaucoup de passionnés. On a aussi eu des gens qui ont été un peu choqué par le design, parce que c'est vrai que c'est pas une voiture du tout banale. Si on veut se fondre dans la masse, c'est pas vraiment Avantime. Les gens qui nous ont choisis, c'est vraiment des gens qui ont envie de montrer leur style de vie, qui sont un peu artistes. Donc clairement, on a osé. While sales started slowly, those people who did climb on board found themselves driving as much a piece of art as a car. Ce qui m'a attiré, c'est le design, sa courbe, ses formes,
son originalité. On ne dirait pas une voiture, on dirait un vaisseau. Donc, c'est vraiment, j'ai eu le coup de foudre pour ce véhicule. It's nearly a piece of architecture. You can see it in the forms that are very squared off, very geometric. For me, it's nearly a house on wheels. Alors, une des spécificités d'Avantime, c'est sa porte. Une porte avec une double cinématique qui fait que quand on ouvre cette grande porte qui permet l'accès à l'arrière de façon très aisée, c'est que la porte avance en même temps, ce qui fait que son déploiement sur le côté n'est pas trop important quand on est garé et qui permet surtout un accès vraiment facile à l'arrière. One Avantime innovation in particular elevated the traveling experience to a new level. A single push of the grand air button revealing a cabin that became at one with the passing landscape. Je sens l'air aussi bien sur le haut du crâne que sur le côté. J'ai le roulis de l'air, j'ai l'impression d'être sur un voilier là. Cette voiture très originale amène une multitude de plaisirs un peu polysensoriels parce qu'on a à la fois un véhicule polyvalent, fonctionnel, mais surtout très bel objet, très agréable à conduire, une ouverture immense sur l'extérieur et c'est une vraie invitation au voyage en fait. Il n'y a aucune voiture au monde qui est capable d'offrir des prestations aussi complémentaires. It's this unique blend of striking looks and inspired functionality that has driven so many Avantime devotees to make the pilgrimage here, to Montlhéry, for its 10th birthday party. Les gens ont beaucoup répondu, même l'étranger. On a même un Estonien qui est là aujourd'hui. Franchement, l'Estonie, c'est quand même pas le pays à côté. On a des Luxembourgeois, des Belges, des Italiens. Et ça fait plaisir de voir que, même 10 ans après, ce véhicule est encore dans le cœur de tout le monde. Je suis venu de la Belgique parce que 10 ans d'Avantime, c'est 10 années d'une vie un peu idéalisé et on ne voulait pas rater ça parce que c'était vraiment, et c'est vraiment formidable de retrouver toute cette sorte de voitures en des différentes couleurs, différentes versions. It was a long trip, but I wouldn't have missed it for the world. If the Avantime was made for those who revel in their individuality, then judging by the colorful crowd celebrating here today, it's mission accomplished. In my family, there are 3 women. First, me, then my daughter, and the third one is Avantime. And Avantime is a mistress. Chaque fois qu'on prend une photo, on est parti à Rome, il y a l'Avantime sur la photo. Et mon frère m'a dit, c'est la voiture qui est partie en vacances, ou c'est nous. It's nice to meet lots of other people who have a similar taste, so it means that maybe I'm not crazy after all. With its beautiful bodywork floating on carefully tuned suspension, all powered by a muscular engine, the Avantime is a car of rare purpose and poise. Quand on roule, c'est un peu comme un tapis volant. C'est très bien suspendu, c'est très très confortable. Bel objet, beau design, l'impression d'avoir un concept car sur la route, le fait d'être conscient d'avoir un véhicule qui est rare et qui va le rester. Donc tout ça, ça participe au plaisir. Unfortunately, back in 2003, not enough people were so seduced by the Avantime's eccentric charms. Production glitches, slow sales, and waning confidence in its future meant that only 2 years after its launch, Renault reluctantly brought production of the Avantime to a close. It was a painful moment for its creators. And meant this stunning car with so much potential would never be able to hit its stride. La production de la voiture s'est arrêtée à un peu plus de 8000 voitures en tout, ce qui évidemment n'est pas beaucoup dans la production automobile et n'a pas permis de développer le produit, d'en tirer probablement tout le jus, si on peut dire. Et pour ma part, bien entendu, je l'ai regretté. La voiture, c'est pas très bien vendu. Les gens l'appréciaient, mais ils n'osaient pas forcément l'acheter. Whether it was a lack of daring from customers or that the Avantime was simply too niche, in the end, those closest to the project are able to look back on a conceptual success whose influence still resonates in contemporary designs. Avantime est un succès. Avantime est un véhicule qui a marqué son époque. Il a un petit peu moins marqué la courbe des ventes, certes,
Mais néanmoins, je pense que c'est un véritable événement. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait dans le médiocre avec Avantime. Avantime, je pense qu'elle a influencé son époque. Hein. On sait que ça a été regardé par beaucoup de constructeurs et beaucoup de constructeurs se sont intéressés au concept. Hein. Elle a également, je pense, montré qu'il y avait une possibilité de croiser différentes typologies de véhicules, ce qu'on appelle aujourd'hui communément les crossovers. Here we are 10 years later, and the vehicle still creates an incredible impression, and it stayed timeless, and I think that's the value of a truly iconic vehicle. Such praise for a car that only now seems to be fully appreciated begs a simple question. Why doesn't Renault launch a new Avantime for today? On pourrait réinventer ce genre de voiture. Cela dit, dans la gamme Renault qui arrive, dans tous nos showcars que nous présentons actuellement, comme Captur, Airspace notamment, on voit clairement des gènes de grande création automobile et de design absolument magnifique. It's now up to us with the new design team to create new segments in the future, and I hope we can create a couple of surprises for you in the years to come. So it seems Renault's trademark design bravery lives on in new concepts, such as Captur and Airspace. But the original and only Coupé Space will also survive, especially in the memories of those who created Avantime. Dans l'ensemble des véhicules auxquels j'ai été associé pendant ces 22 ans chez Renault, Avantime fait partie de ceux que je considère comme étant les plus importants. C'est le projet qui, certainement, a marqué le plus fortement ma carrière chez Renault, qui reste le plus dans mon cœur, très clairement. Quand on conduit un Avantime, les gens vous arrêtent dans la rue pour vous demander « Mais qu'est-ce que c'est cette voiture? Quand c'est qu'elle va sortir ?» C'est quand même assez extraordinaire que 10 ans après, eh bien, on a toujours ce phénomène de la nouveauté avec Avantime.